Ouais, vas-y, rentre. Ça va aller, la chambre? Ouais, nickel, merci beaucoup. Franchement, merci de m'héberger ce soir. Franchement, c'est sympa. Par contre, ce soir, j'ai des potes qui doivent passer. Hein. C'est des potes de l'impro. J'ai pas pu repousser la soirée, c'était déjà prévu. Ça me dérange pas, hein, y a pas de souci. Par contre, je vais faire une petite sieste parce que je suis un peu crevée. Ouais, pas de problème. Bah, je te laisse, hein, pas de problème. Merci. Tu te rejoins dans la soirée quand tu te réveilles, quoi. Super, bah, merci beaucoup. J'ai perdu ma montre. Tu cherches quelque chose? J'ai perdu ma montre. Voilà, j'ai perdu ma montre. Je suis déjà à la bourre. Si je la retrouve pas, je vais avoir des gros problèmes. Elle va me défoncer. Bon, tant pis, faut que j'y aille. Salut. Thank you.
Salut, t'es perdu ? Je cherche un lapin blanc. Tiens, prends un bout de champignon, ça t'aidera peut-être. Ça fait grandir ou rétrécir, je sais plus trop. Ouais, non, ouais. Non, c'est nul comme idée, ça t'arrangera pas à grand chose finalement. Bon, vous l'avez vu ou pas ? Bah oui, bah sinon, ça serait la fin de l'histoire. Non, je l'ai pas vu et Alice rentra chez elle. Ça s'appellerait plus Alice au pays des merveilles, ça s'appellerait Alice. Ou Alice dans son pays. Bah oui, je l'ai vu, il est passé par là et il a tracé là-bas. C'est quoi par là ? C'est une forêt ? Oui, tu la traverses et t'arrives dans le jardin. Et après, t'es dans le château de la reine. La reine ? Ah, si c'est bien du même mec qu'on parle, c'est le coursier de la reine. Vous le connaissez ? Il est comment en général ? Oh bah c'est un beau gosse, hein. Attends, mi-homme, mi-lapin. Non, franchement, j'ai déjà passé une soirée chez lui. Ah, il est intelligent en plus, hein. Il sait tout sur les maths, la géo, la bio. Ouais, non, vraiment, c'est la star en début de soirée. En début ? Bah, à la fin de la soirée, on était tous un peu ronds. Il s'est mis dans un coin de la pièce, il a baissé son froc et il a largué une rafale de petites boulettes de crotte sur le tapis. Le lapin, quoi. Ouais, forcément, tu perds en charisme. J'espère que je suis pas en train de me perdre. Mais non! T'es pas perdu! Mais qui est là? Pour me voir, tu dois deviner qui je suis. Très bien. Je pense que tu es... Ah non, attends. C'est une devinette. Faut déjà que je te donne l'énigme. Alors, j'aime ronronner quand je suis heureux. Mon espèce... Un chat ? Hey ! Déjà, c'est chatte. C'est pas du jeu ! Il trouve toujours trop vite. Faut que t'arrêtes de commencer ta devinette par j'aime ronronner. Et si t'es pas contente, t'as qu'à les poser, toi, les questions. Hey, dis donc ! Tu veux que je t'abandonne là ? M'oblige pas à devenir violent, hein. Je veux plus retourner en prison. Désolée, mademoiselle, c'est mon mec. Il est un peu bougon en ce moment parce que son ex-femme le fait chier parce qu'il est avec moi. Je vais vous laisser, vous avez l'air pas normal. Ah mais non, on va faire un petit jeu. J'ai pas le temps, je vous l'ai dit, je recherche un mec, un lapin. Bon, on pourrait se faire un petit jeu tous les trois. Oh, moi c'est hors de question, je joue, je pensais aller faire une petite sieste. Oh, tu penses vraiment qu'à ça, hein, c'est pas possible. Et après on fera un petit jeu. Tout ce que tu veux, poupée. Bah, je suis désolée mademoiselle, mais mon mec est fatigué, il faut qu'on aille se reposer. Mais continuez par là, c'est par là que votre copain est passé. Bon alors, tu viens ? Oui, bah ça va, j'arrive, t'es pressé. C'est moi qui vais te presser. Ah bah bravo, c'est fin. Encore une tasse de thé. Mais je peux plus rien avaler. C'était pas une question, monsieur Furet. Vous avez décidé de gâcher la fête, monsieur Furet. Allez, ne faites pas de manière, buvez-moi ce thé. Et ça, c'est pour enlever le goût du thé. Cul sec, monsieur Furet. Cul sec. Et joyeux pas anniversaire. Oh, oh, nous sommes surveillés. Venez, venez. Cette fille. Bonjour. Viens. Bonjour, je passais par là quand je vous ai entendu. Je voudrais savoir si je suis dans la bonne direction pour rejoindre le château.
la bonne direction pour aller au château. Quel château? Vous savez, il y a beaucoup de châteaux dans ce monde-ci. Le château des rêves, le château de verre. Et le château de ma mère? Château de la Belle au Bois Dormant. Exactement, monsieur Furet. D'ailleurs, monsieur Lièvre, vous y êtes interdit là-haut. Ouais, sous prétexte que le sommeil n'est pas considéré comme un acte de consentement. Non. Moi, je cherche à rejoindre le château de la Reine de Cœur. Le château de la Reine de Cœur? Vous êtes bien courageuse, mademoiselle. Je cherche quelqu'un qui travaille pour elle. Un mec qui est habillé en lapin. Lapin blanc? C'est mon cousin? T'es sa copine? Tain, il a vachement bon goût, le bougre. Hey! Monsieur Liam, venez ici, remettez-vous ici, arrêtez d'embêter la dame le jour de son pas anniversaire. Mon pas anniversaire? Oui, les pas anniversaires. Ça nous permet de faire la fête plus souvent entre amis. Et de picoler surtout. Et non, monsieur Furet, c'est quoi ces insinuations? Tenez, picoler, ça vous évitera de dire des conneries, hein? Et vous, mademoiselle, venez avec nous, vous allez boire un petit coup, vous verrez, ça va vous aider à vous laisser aller. Non, merci, je bois pas. Vous ne buvez pas? Non. Le hasard fait que, justement, aujourd'hui, ce soit le jour de mon anniversaire. C'est son anniversaire! T'as décidé pas de jouer le jeu? Non mais, c'est quoi cette fille? Alors, elle s'invite en plein milieu de notre fête, elle boit pas, et en plus elle se laisse pas toucher. Partez, le château de la Reine de Cœur, c'est par là-haut, et surtout, ne lui passez pas nos amitiés. Écoutez, je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre fête, je vous laisse entre amis. Ouais, c'est ça, bon vent. Les gens sont sans gêne. Non mais, il y a plus de respect. Bon allez, on va continuer la fête, monsieur Furet, on va continuer la fête. On va voir si vous rentrez toujours dans cette petite robe de taille 34. Tu peux m'expliquer comment tu fais pour arriver systématiquement à la bourre? Tu as une heure de retard aujourd'hui. Je vous l'ai dit, Majesté, j'ai perdu ma montre. Bon, vous avez décidé de tous me la foutre à l'envers? Est-ce qu'il y a quelqu'un de compétent dans cette équipe? Entre un coursier qui arrive toujours en retard et des gardes à qui il faut expliquer 20 fois les mêmes choses? Majesté, si vous voulez parler des fleurs qu'il fallait repeindre en rouge, je vous rappelle que c'est lui qui a pris toute la peinture. Silence! Eh oh, la peinture que j'avais demandé. J'ai terminé les finitions de ma terrasse dans la nouvelle maison. J'ai fait toutes les boiseries en rouge vif. Ça rend vachement bien. Je me fous de tes histoires de bricolage. Enfin, on est plus sur du gros œuvre hein, quand même là. En même temps, avec tout le matos que tu prends, il y a longtemps que ta baraque, elle devrait déjà être finie. Hein. Mais oh, t'es gentil, une maison, ça se fait pas en deux jours. Hein. Moi, je suis tout seul à bosser dessus. Et puis, j'ai perdu un max de temps avec le placo parce que j'avais pas bon, les murailles. Vous m'entendez quand je gueule là? Je vais vous éclater. Si vous me parlez encore une fois de bricolage, je vais vous défoncer. Je suis la reine de cœur, pas conseillère chez Casto. Le prochain qui me parle de placo, je le défonce moi-même. Bon, lapin blanc, tu peux m'expliquer pourquoi tu es en retard? C'est à cause du placo, j'avais pas les bons rails et du coup j'ai perdu du temps et... Ok, approche ici. Approche là, je vais t'avoiner. Et là. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux juste discuter 5 minutes avec le jeune homme là en fait parce que j'ai retrouvé ça. Oh ma montre! Bah ça va, je vous dérange pas là? Pardon madame, je voulais pas vous déranger, hein, juste je me disais la reine de cœur ça doit être une femme de cœur quoi. Ah bah oui, ah bah moi j'ai un cœur gros comme ça là, moi je suis toute douce et je fais des dons au resto du cœur. Garde! Qu'on leur coupe la tête! Ah, c'est pour toi ça? Oh bah t'es bien toi, j'ai coupé toutes les têtes hier. Non c'est à toi là. Oh non mais moi j'aime pas ça, en plus j'ai rien déjeuné. Majesté, j'ai quand même pas coupé les têtes le ventre vide. Ça me rend pas traque. Ça aurait été une tête d'enfant, je dis pas, un coup de sable, les yeux fermés, hop, comme ça. Mais là, c'est quand même la tête d'adulte, il faut se concentrer puis regarder. Majesté, on peut remettre ça demain? Ouais, c'est pas compliqué. Démerdez-vous, coupez-leur la tête. Ha! Le ciseau coupe la pierre. Oh bah t'es frais, toi, le ciseau coupe le papier, pas la pierre. Il a raison. Ouais, mais ça, c'est un ciseau hydraulique. Ça coupe la roche, comme dans les carrières. Eh non, il a raison. Le ciseau coupe le papier. La pierre casse le ciseau, mais le ciseau hydraulique, ça nique tout. Majesté, il n'y a pas de ciseau hydraulique chez Fumi. Mais bougez-vous le cul! C'est pas possible, bougez-vous le cul, faites-le tous les deux, sinon c'est moi qui le fais et je découpe la tête de tout le monde. Bon, ciseau hydraulique au cul.
Excusez-nous, mademoiselle, c'est son kiff de couper des têtes. Oh, ça va piquer un peu au début. Hein. Mais bon, toi ! Ah, t'es gentille, moi je passe juste après. Voilà, ma chérie, ton histoire s'arrête là. Excuse-moi, vous voulez savoir... La vache! T'es complètement défoncé! Putain! Eh ben, oh, t'as tapé dans ma boîte en fait! Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a encore une tripe, hein! Putain, elle a tripé. Vraiment qu'elle va chier dans toutes les soirées! Hein. Désolé! Bon, hein. Allez, bon courage! Merci à beaucoup. Plus. Merci, hein. Ciao. Bon, salut. Attention. Waouh, elle. Wow. Elle est prête de foncer. Ah, mais laisse tomber, elle a tapé dans ma boîte en fait, je viens me voir là. Ah, mais... Voilà. Elle est en plein bac trip là, hein. Ça va? Ouais. Ça va l'air. Hein. J'ai fait quoi? T'as fait de la merde. T'as parlé à tout le monde, t'as fait chier tout le monde à propos de l'histoire de lapin blanc. T'as même parlé avec le chat. Avec le chat. Elle a bien aimé. Oh merde, l'air con. Non, mais... Je suis désolé. Non mais ça va, t'inquiète pas, ils sont aussi cons que toi. Hein. Enfin, les gars, je vous présente Alice. Ah, vous l'avez déjà vu. Salut, Alice. Et puis Alice, bah voilà, c'est la troupe d'impro, c'est les paf. Les pofs. Et... Ça en fait que de la merde. Ouais. J'ai dû tout rattraper. Attention, tu verras. T'as vu le film, tous les bons trucs, c'est moi. Ouais, ça se voit. Voilà. Et ouais, ça se voit. Ils ont fait que de la merde. Charlie, Greg, Thomas, de la merde. Ouais, ça se voit. Spiro, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris sur ton film. Rossano, il joue dedans. Mais tu l'as pas mis dans la scène de fin, c'est quand même un peu le président de l'assaut, non? Ouais, mais attends, t'as vu la bande-annonce qu'il a fait? Non, moi je veux pas des gars comme ça, moi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai, je crois que je suis.